Parmi les 17 ODD, le gouvernement en a retenu certains comme les plus prioritaires dans le cadre des efforts visant à venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la population. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le pays est secoué par des crises multidimensionnelles et des chocs naturels exacerbés par la COVID-19, les impacts de la guerre en Ukraine et du changement climatique. À cela s'ajoute la prolifération des gangs. Cette situation engendre la détérioration des conditions du niveau de vie de la population. Le pays a enregistré une croissance négative pendant 4 années consécutives et un niveau d'inflation qui a atteint près de 40% selon les données publiées par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI. Je voudrais, à ce stade, remercier tous les participants, particulièrement nos partenaires dans l'organisation de cette activité, en l'occurrence le PNUD et la CNUSED. Mesdames, Messieurs, depuis près de 2 décennies, le ministère de l'Économie et des Finances a entrepris un vaste chantier de réforme des finances publiques dans le but de mobiliser des ressources domestiques nécessaires en vue de faire face aux grands défis auxquels le pays est confronté. En effet, la loi du 4 mai 2016 sur l'élaboration et l'exécution des lois de finances permet un changement de paradigme dans la programmation budgétaire et l'exécution efficace et efficiente des dépenses publiques. Cette loi donne la possibilité aux différents secteurs émargeant au budget de la République de faire montre de discipline dans l'exécution des programmes et projets à travers l'élaboration des cadres de dépenses à moyen terme, CDMT. L'adoption en décembre 2022 d'un code fiscal et d'un nouveau code et tarifs douaniers traduit sans embâche la volonté du gouvernement d'œuvrer dans le sens de la mobilisation de plus de ressources domestiques aux fins de financement des programmes et projets prioritaires, notamment ceux à caractère social, au bénéfice de la population. D'autres chantiers sont déjà en cours, tels que la réforme de la gestion de la trésorerie, la nouvelle nomenclature budgétaire, le cadre réglementaire des produits pétroliers, la mise en place du cadre budgétaire à moyen terme, le renforcement de la gouvernance économique, pour ne citer que cela. Au nom du gouvernement et dans le cadre des activités relatives à l'agenda du développement durable, j'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce dialogue multi-acteur de haut niveau organisé conjointement au niveau national par le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère des Finances, associant intimement des ministères tels ceux de l'Agriculture, des Affaires sociales et du Commerce, et supporté au niveau international, tant techniquement que financièrement, par le PNUD et la CNUSED. Ce programme conjoint, durant son parcours à date, a été mis en œuvre dans des conditions particulièrement difficiles et arrive au terme de sa mise en œuvre. En effet, lancé en mai 2001, sous la dénomination « Face à la crise haïtienne », une consultation nationale sur les priorités de réforme et les options de financement pour accélérer les ODD, et bénéficiaire d'un appui financier du Fonds commun ODD de l'Organisation des Nations Unies, la composante état des lieux ou diagnostic et perspective constitue le premier segment du processus CINF. Nous profitons de cette occasion pour remercier ici le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la collaboration, la mobilisation plutôt, des ressources de ce fonds commun destiné à accélérer l'atteinte des ODD de l'agenda de développement durable 2016-2030. Le dialogue multi-acteur que nous entamons aujourd'hui nous permettra non seulement d'apprécier les résultats obtenus dans la mise en œuvre de cette composante cadre intégré du CINF, mais également de renforcer l'appropriation du processus dans son ensemble, avec une meilleure compréhension des défis et enjeux des ODD pour Haïti,
ainsi que des besoins du financement nécessaire pour les atteindre. Le dialogue nous permettra aussi de mieux définir dans la feuille de route CINFODD le rôle de la société civile en général au niveau de la mobilisation des ressources et de la gouvernance. Et donc, ce dialogue sur le financement du développement durable aujourd'hui, qui est en fait la mise en œuvre du financement des 17 objectifs de développement durable pour lesquels Haïti, au même titre que tous les États membres des Nations Unies, se sont engagés il y a de cela déjà 8 ans. En fait, ici, il s'agit de répondre à une série de questions. Où en sommes-nous aujourd'hui en Haïti avec les 17 objectifs de développement durable? Dans quelle mesure le plan stratégique pour le développement des objectifs durables d'Haïti s'aligne par rapport à cet agenda? Dans quelle mesure les politiques publiques, les programmes et projets mis en œuvre sont formulés, financés et mis en œuvre en alignement avec les objectifs de développement durable? Où en sommes-nous en termes de financement de ces ODD? Quel rôle peuvent jouer le secteur privé, la société civile, les jeunes, les femmes, le monde académique? En d'autres termes, quel cadre de partenariat est nécessaire pour combler le retard déjà accumulé? C'est à ces questions que le dialogue multi-acteurs qui commence aujourd'hui donc devrait réfléchir. Et là réside donc la portée catalytique de ce programme conjoint appuyé par les Nations Unies. Permettez-moi donc encore une fois de rappeler que le programme appuyé par le Fonds conjoint pour les ODD est mis en œuvre sous le leadership du ministère de la Planification et de la Coopération externe, conjointement avec le bureau de coordinateur résident, avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement et de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement est essentiel. Quant aux ODD, en 2015, la communauté internationale a en effet adopté l'un des programmes de développement les plus ambitieux de toute l'histoire, le programme de développement de l'agenda 2030, où ont présenté 17 objectifs de développement durable et pas moins de 169 cibles. Donc la mise en œuvre réussie de la approche CINF dépend d'un solide soutien politique et de son appropriation au niveau national. Le CINFF s'intéresse au cadre de gouvernance et de coordination en intégrant les principes et aussi des principales instances gouvernementales impliquées dans le processus de planification du financement du pays. Les MPCE et les ministères d'économie et des finances et priorisent les conditions d'un dialogue auprès de toutes les partenaires prenantes, à savoir les secteurs privés des affaires, les secteurs bancaires et financiers, la société civile, les partenaires techniques et financiers de l'État haïtien, le monde académique et universitaire. De plus, le CINF prend en compte les nouveaux défis dans le nouveau paysage financier et surtout la nouvelle architecture de l'aide au développement, et il anticipe les nouveaux risques pouvant à terme hypothéquer les efforts accomplis pour l'atteinte des ODD. Rappelons qu'il devient de plus en plus urgent à mettre en œuvre des réformes portant sur de nombreux aspects du financement, tant public que privé, afin de mobiliser les investissements nécessaires pour l'accélération des ODD en Haïti. Ainsi, la conception et la mise en œuvre du CINF vise à renforcer les efforts nationaux afin de mieux bâtir l'avenir. Il y a en effet un constat évident sur la nécessité d'accélérer et d'intensifier la mise en œuvre des ODD en Haïti. Le PNUD et la CNUSED et bien d'autres agences de l'équipe des pays des Nations Unies en Haïti s'y attellent et appuient de manière continue les processus en cours en vue d'une définition d'un cadre de financement intégré pour Haïti et aussi de son opérationnalisation. Mais comment trouver les moyens pour la mise en œuvre des ODD de l'agenda 2030? Voici des exemples qui pourraient se résumer ainsi. Transformer l'économie pour être génératrice d'emplois et de ressources pour les pays avec des réformes en profondeur de la gouvernance économique.
renforcer les capacités nationales de collecte d'impôts et des autres recettes, aligner et optimiser les dépenses publiques sur les ODD en les prenant en compte désormais dans le processus de programmation budgétaire du pays. Accroître les flux des financements privés, les financements privés domestiques et aussi les financements internationaux à travers les investissements directs étrangers, donc le Foreign Direct Investment et autres sources de financement innovantes. Et aussi accroître et optimiser l'emploi de l'aide au développement et le financement des organisations internationales aussi vers les ODD. Néanmoins, il faudrait certainement parmi toutes les urgences de l'heure, celle de la crise sécuritaire, les troubles politiques et socio-économiques, à définir un espace serein au centre des tumultes et arriver à travailler sur l'agenda 2030 et les ODD qui offrent à Haïti une occasion unique de relever les défis actuels en matière de développement en aidant à offrir une vision à long terme pour le développement du pays, renforcer la cohérence des politiques nationales et sectorielles et promouvoir la coordination entre les institutions gouvernementales mais aussi entre les différents acteurs du développement œuvrant dans le pays, les agences de développement, les banques multilatérales de développement et aussi les institutions financières internationales.